عليكم ورحمة الله وبركاته. On va entamer une nouvelle série de vidéos. On handle la correction de DMD. On commence avec le DMD 2018. Le premier exercice, l'étude rétrospective de 150 dossiers des patients traités. Donc on a la taille d'échantillon. N est égal à 150. Traité pour le cancer du rein avec le traitement classique montre un pourcentage de succès de 35%. Donc ces patients 150 qui sont traités pour le cancer du rein montre un pourcentage de succès de 35%. Le premier QCM précise qu'elle doit être le vrai pourcentage de succès avec le traitement classique au risque alpha est égal à 1%. Donc, pour préciser qu'elle doit être le vrai taux de succès, donc le taux de succès de la population, on doit faire une estimation pour faire un jugement sur la population. Pour faire une estimation, on a deux, soit faire une estimation ponctuelle, soit faire une estimation par intervalle de confiance. Dans notre cas, on va faire une estimation par intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance de la proportion de la population est égal à P0, c'est le pourcentage de l'échantillon, plus ou moins HH, c'est la précision. Dans notre cas, H, c'est Q de 1 moins alpha sur 2, fois racine complète de P0 fois 1 moins P0 sur 1. Q de 1 moins alpha sur 2, on le lit sur la table de la loi normale centrée et réduite. On calcule 1 moins alpha sur 2, on trouve 0,985. Donc, on cherche dans la table 0,985, on trouve. Donc, c'est 2,5 plus 0,8. Donc, c'est 2,58 fois racine complète de 0,35 fois 0,65 sur 150. On calcule, on fait une application numérique et on trouve l'intervalle de Paris. Le deuxième est QCM. QCM 2, les études préliminaires montrent que le taux de succès avec un nouveau traitement est de 60%. Sur cette hypothèse, quel est le nombre de sujets à traiter avec ce nouveau traitement pour avoir 5% de risque d'observer un taux de succès différent du taux attendu de 10% au plus? Donc, ils nous ont donné P0, 60%, ils nous ont donné alpha, 5%, ils nous ont donné H, la précision, 10%, parce que le taux de succès doit être différent du taux attendu, donc plus H moins H, ils nous demandent de trouver N. Donc, on a P0,6, H doit être supérieur ou égal à 0,1. H, la précision, c'est Q de 1 moins alpha sur 2, mais cette fois, alpha, on le prend 5%, on ne la prend pas 1%, fois racine complète de P0 fois 1 moins P0 sur 1, sur racine, supérieur égale 0,1. On fait au carré des deux côtés pour enlever la racine au carré, donc Q de 1 moins alpha sur 2 au carré fois P0 fois Q0 sur 1, supérieur égale à 0,1 au carré. N, on monte N là et on descend 0,1 ici. On trouve N inférieur égal 1,96 fois 0,6 fois 0,4, 0,1 au carré. On trouve N doit être inférieur égal à 82,984. Donc N est égal à 93. L'exercice numéro 2. Sur un échantillon de femmes, on a mesuré les rythmes cardiaques suivants. Donc on a pris 10 femmes, on a mesuré les risques. On a pris 10 femmes et on a mesuré les rythmes cardiaques, on a trouvé ces valeurs. Sur un échantillon d'hommes, les valeurs suivantes ont été révélées. Un échantillon de 8 hommes, on a fait les rythmes cardiaques, on a trouvé ça. Les rythmes cardiaques des hommes et des femmes sont-ils significativement les mêmes? Donc, c'est ça notre question. Pour répondre à cette question, on doit procéder à un test d'homogénéité. On choisit un test d'homogénéité. On a déjà premièrement deux échantillons. Un échantillon d'hommes, un échantillon de femmes. Notre question, c'est de savoir s'ils sont significativement les mêmes, donc s'il y a une différence ou s'il n'y a pas de différence. Donc s'il y a une différence, donc la population n'est pas homogène. S'il n'y a pas de différence, donc la population est homogène. QCM 4, l'hypothèse H0. H0, c'est l'hypothèse nue. Il n'y a pas de différence. Donc les rythmes cardiaques des hommes et des femmes sont significativement les mêmes, donc il n'y a pas de différence. QCM 5. La taille des deux échantillons sont inférieures à 30. Ça, c'est une question de cours. Il faut la prendre du cours. Comme N est inférieur à 30, donc on doit supposer la normalité des populations dont ont été tirés ces échantillons et on doit supposer l'égalité des variances. C'est juste une question de cours. Question numéro 6, la valeur du test calculé est... Donc, on a un échantillon de femmes, N est égal à 10. On calcule la somme des XI, on trouve 711. Et on calcule la somme des XI au carré, on trouve 50661. La même chose pour l'homme, N2 est égal à 8. On calcule la somme des XI au carré,
Après, on va calculer, on va faire l'estimation abaxiomatique de la moyenne et de la variance. Donc, x bar 1 des femmes est égal à 1 sur 1 fois l'ensemble des xi. On trouve la valeur s prime au carré, c'est la variance de l'échantillon, est égal à 1 sur 1 fois l'ensemble des xi au carré moins x bar au carré. On trouve 10,89. La même chose pour les hommes, on calcule la moyenne et on calcule la variance. On va faire l'estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance. On remarque qu'on a N1 inférieur à 30 et N2 inférieur à 30. Alors on doit supposer que X1 suit la loi normale de sa moyenne de sigma au carré et X2 suit la moyenne suit la loi normale de sa moyenne de sigma au carré. On a dit dans le QCM précédent qu'on doit supposer l'égalité des variances. Donc, on doit calculer la variance de l'échantillon, la variance en général. C'est racine complète de N1 fois sigma échantillon 1 au carré plus N2 fois sigma échantillon 2 au carré sur N1 plus N2 moins 2. Déjà, il faut faire la remarque que ici on a calculé S prime, on n'a pas calculé S au carré parce qu'on n'a pas besoin de la variance améliorée, on a besoin de la variance de l'échantillon. Donc, pas la peine de se fatiguer à calculer la variance améliorée. Donc, on prend S prime, la variance de l'échantillon fois 1 sur N moins 1, on n'a pas besoin. Donc, quand on fait l'application numérique, on trouve sigma échantillon, celle qui est égale. On calcule le test de l'écart réduit. Sigma est égal de x1 bar moins x2 bar, la valeur absolue sur sigma échantillon qu'on a calculé, fois racine complète de 1 sur n1 plus 1 sur n2. On fait l'application numérique. On trouve l'écart type 1,5 le 0,2. Donc, on choisit pour le QCM 6, on choisit la réponse C. QCM 7 au risque 5%, on compare la valeur trouvée au QCM précédent A. Il faut savoir qu'en N1 et N2, c'est inférieur à 30, quand N1 et N2 calculent la loi de Student, N1 plus N2 moins 2 au risque alpha, donc N1 plus N2 moins 2, 10 plus 8 moins 2 est égal à 5, est égal à 16. Prends la table de la loi de Student, 16, on risque 0,05 et on trouve 2,120. Donc, on compare notre valeur calculée de l'écart type à 2,12. On trouve que 1,02 est inférieur à 2,12, donc H0 est non rejeté. Il n'y a pas de différence significative entre les deux moyennes. Concernant les QCM, du QCM 6 au dernier QCM 20, c'est l'exercice 3, c'est le test d'indépendance, et l'exercice numéro 4, c'est le test de corrélation. Comme ce n'est pas prévu pour votre programme, on ne va pas faire la correction. On passe maintenant à l'UMD numéro 3 de 2020. QCM 1 à 4, c'est des QCM question de cours, donc il faut juste apprendre les lois. Soit t est un estimateur d'un paramètre réel θ. Donc t c'est l'estimateur, paramètre réel c'est θ, d'espérance e de t et de variance v de t. La formule du BA, comment c'est dans le cours, la formule du BA est égale l'espérance de t, l'estimateur, moins θ, le paramètre. La formule de l'erreur quadratique moyenne, c'est e de t moins θ au carré. Le meilleur estimateur de t et de θ doit vérifier, donc... Commencer la qualité d'abord ici, maintenant doit être sans bien et convergent. Donc le bon ici, c'est celui qui a son B est égal à 0 et convergent. Donc la limite de 1 tend vers plus l'infini de la variance est égale à 0. L'erreur quadratique moyenne d'un estimateur sans BA, comment c'est l'erreur quadratique moyenne, c'est E de T moins θ au carré, mais c'est également V de T plus le BA au carré, donc le BA est égal à 0, donc le meilleur estimateur c'est celui qui a l'erreur quadratique moyenne qui est égal à sa variance. Je vous conseille d'apprendre par cœur les lois parce que les questions de cours c'est des questions avec lesquelles vous pouvez avoir des notes facilement, sans calcul, sans rien. Donc le BA, l'erreur quadratique moyenne et la variance, c'est des choses à apprendre par cœur. Donc le QCM de 5 à 7, c'est
Ils ont un énoncé commun. Donc, on étudie l'âge X en année au diagnostic des individus issus d'un échantillon de 500 personnes atteintes d'une maladie M. Donc, on avait un échantillon N est égal à 500 qui sont atteints d'une maladie M. Ils nous ont donné la somme des XI et la somme des XI au carré. Que c'est comme ça que l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population est. Ils nous ont demandé de trouver X bar. Donc, X bar est égal à 1 sur 1 fois la somme des xi, on calcule, on fait l'application numérique, 1 sur 500 fois 21 000, on trouve 42 ans. Le QCM numéro 6, ils nous ont demandé l'estimation ponctuelle de la variance de la population. Ils ne nous ont pas demandé la variance de l'échantillon, ils nous ont demandé la variance de la population. Donc il faut faire il faut chercher la variance améliorée. Donc on a S' est égal à 1 sur 1 fois la somme des xi au carré moins x bar au carré. On fait l'application numérique, on trouve S', c'est la variance de l'échantillon qui est avec BA, c'est pas un bon estimateur. Pour trouver le bon estimateur, on calcule S, la variance de la population, donc S au carré, désolé, est égal à M sur N moins 1 fois S' au carré. On fait l'application numérique et on trouve 11,407. Attention, parfois, ils nous demandent de trouver l'écart de type et nous, on calcule la variance. Après, on se demande où est notre faute. Donc, lorsqu'ils nous demandent de trouver l'écart de type, on fait la racine au carré. Et la même chose pour trouver l'écart de type amélioré, on fait la racine au carré. QCM numéro 7, l'estimation par intervalle de confiance de la moyenne de la population pour un risque alpha est égal à 5%. Donc, ils nous ont demandé de trouver l'intervalle de confiance de mu. La moyenne de la population, c'est x bar plus ou moins h. On est dans le cas où n est supérieur à 30 et l'écart type de la population est inconnu. Donc, x bar plus ou moins q de 1 moins alpha sur 2 fois racine complète de s au carré, c'est l'estimation de la variance de la population sur n. Si on utilise S', la variance de la population, de l'échantillon, désolé, on fait sur n moins 1. Il faut vraiment faire attention à ces petits détails qui peuvent changer toute la donne. Donc ces cas où on de plus ou moins 1 moins 0,05, on va chercher dans la table de la loi normale, on trouve 1,96 fois racine complète s au carré 11,416 sur 500, on trouve l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil de confiance 95%. Alors, du QCM 8 à QCM 10, l'énoncé est commun. Et l'énoncé dit, on mesure une quantité X sur un échantillon de 800 personnes. Donc, N est égal à 800. On trouve que celle-ci, donc la quantité X, dépasse un certain seuil chez 340 personnes. Elle dépasse le seuil, c'est 340 personnes. On voudrait estimer le pourcentage de sujets dont la mesure X dépasse le seuil dans la population générale. Donc, on veut estimer, on peut faire un jugement sur la population à partir d'un échantillon. QCM8, l'estimation ponctuelle de ce pourcentage est égale à A. Donc, P0 ou F0, comme vous voulez, est égal à K, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, c'est 340 sur 800. On trouve 42,5%. QCM9, l'estimation par intervalle de confiance de la population de ce pourcentage pour un risque alpha est égal à 5%. Donc, l'intervalle de confiance de P0 risque alpha est égal à 5%. P0 plus ou moins H, la précision, c'est Z de 1 moins alpha sur 2 fois racine complète de P0 fois 1 moins P0 sur N. Donc, on fait l'application numérique. Z de 1 moins alpha sur 2, on le lit sur la table de la loi normale. 1,96 fois racine de 0,425 fois 1 moins 0,425 sur 800, on trouve l'intervalle de confiance. QCM numéro 10, pour une précision d'au moins 1%, quelle taille minimale N du nouvel échantillon permettant d'atteindre ce but? Donc, notre précision doit être moins de 1% et on doit trouver N. Donc, H inférieur à 1%. H, la précision, c'est Z1 moins alpha sur 2 fois racine complète de P fois 1 moins P sur N. On fait au cas, on remplace avec les chiffres, on fait au carré des deux côtés pour enlever la racine au carré. On prend n de ce côté, on descend 0,01, donc on trouve que n doit être supérieur ou égal. À cette valeur qu'on calcule, on trouve n est égal à 9388. L'énoncé est commun au QCM 11 à 15. Nous on dit soit A majuscule et A minuscule, les allèles respectivement dominants et récessifs d'un gène. Du rat. On suppose que seul les rats A
A majuscule A minuscule, A majuscule A minuscule sont pareils. Sur un échantillon de 256, ils nous ont donné le N. De 4 ratons issus du couple hétérozygote A supérieur à A majuscule A minuscule, on a obtenu les résultats suivants. Donc, on a obtenu 0, 1, 2, 3, 4. On a un dot, c'est le nombre de rats, le nombre de portées et la proportion théorique. La question, ces résultats sont-ils en concordance avec les lois de Mendel au risque alpha est égal à 5%? Le QCM 11, il nous demande la proposition A, on procède à un test d'homogénéité. C'est faux, on ne procède pas à un test d'homogénéité parce que premièrement, on n'a pas deux échantillons et on essaye de trouver s'il y a une différence entre eux. On a un échantillon issu d'une population cette population elle suit les lois de Mendel. On veut savoir si cet échantillon suit les lois de Mendel ou non. Donc on procède à un test de conformité, non pas un test d'homogénéité. Proposition numéro B, H0, les résultats observés ne concordent pas avec les lois de Mendel. C'est faux parce que H0 c'est une hypothèse nulle et dans les tests de conformité, H0 c'est il n'y a pas de différence entre l'échantillon et la population ou l'échantillon est conforme à la population. Donc H0 c'est faux. H0, les résultats observés concordent avec les lois de Mendel, c'est vrai. Les conditions du test ne sont pas vérifiées, c'est faux. Les conditions du test sont vérifiées. QCM 12, il nous a demandé de trouver les modalités pour lesquelles le nombre théorique de portée est inférieur à 5%. Donc il faut faire voir. Ils nous ont donné ça, c'est les modalités 0, 1, 2, 3, 4, le nombre de rats. Le nombre de portées, c'est les effectives théoriques OI. Et les proportions théoriques, c'est les PI. Comment c'est CI? Les effectives théoriques, c'est. Ici, c'est les effectifs observés, désolé. Comment c'est ici les effectifs théoriques? C'est PI fois N, nombre de l'échantillon. Donc, on calcule ici c'est N fois P. Et on trouve que dans la modalité numéro 3, 2,56, donc c'est inférieur à 5. QCM numéro 13, ils nous ont demandé de calculer la valeur calcul du texte. Donc, on a les CI, on a les OI. Il faut calculer qui de calculer, c'est la somme des OI effectifs théoriques observés moins CI effectifs théoriques au carré sur CI. Donc, on fait nos calculs, mais ici à CI, on remarque que 2,56 est inférieur à 5. Donc, on ne peut pas calculer, on ne peut pas utiliser. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi on n'a pas utilisé l'amélioration de Yates. L'amélioration de Yates, on l'utilise avec deux conditions, quand k est égal à 2, et quand les nombres de modalités est égal à 2, et quand c'est 1 ou c'est 2 est inférieur à 5. Dans ce cas, on a 5 modalités, donc on ne peut pas utiliser la correction de Yates. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le regroupement des classes. On prend cette classe et on la regroupe soit avec cette classe la 4, soit avec cette classe 2. Donc, on fait 2,56 plus 10,24, on trouve 2,8 et 5 plus 1 est égal à 6 et on calcule. Mais là, on n'a plus 5 modalités, on a 4 modalités parce que la classe 3, la modalité 3 et 4 est devenue une seule modalité. Donc, on calcule notre kit de calcul, on fait la somme, on trouve 8,355. QCM numéro 14, la valeur du texte. La valeur tabulée du texte au risque alpha est égal à 5%. Donc, qui de tabulé, c'est k moins 1. Au risque alpha, k, c'est le nombre de modalités, comme on a dit, ils ne sont plus 5, mais 4. 5, 4 moins 1, au risque 0,05, on trouve 7,81. Modalité numéro 3, 0,05, 7,95. QCM 15, là, conclusion, on trouve que le qui de calcul est supérieur au qui de tabulé. Donc H0 rejeté au risque alpha est égal à 5%. Donc l'échantillon ne suit pas les lois de Mendel au risque alpha est égal à 5%. Comme vous voyez, cette UMD est très simple. Il y a juste quelques questions en cours qu'il faut apprendre et des applications du cours.